nom soit glorifié, Seigneur. Ce matin, nous voulons palper de ta sainte présence. Nous voulons voir, Seigneur, ta Seigneurie en ces lieux. Que, Seigneur, tu libères une onction particulière, Seigneur, en ce lieu. Que ta grâce soit en ces jours, Seigneur. Que ta magnificence soit exaltée en ce lieu, Seigneur. Que ta présence soit, Seigneur, en ce lieu inouï, Seigneur, pour chacun de nous, Seigneur. La louange, la gloire et l'action des grâces, Seigneur, reviennent à toi et à toi seul. Et nous menaçons tous tes pouvoirs, puissance, qui ne confesse pas Jésus dans ce lieu. Vous libérez maintenant ces lieux et vous allez dans les plus arides. La louange, la gloire, action des grâces, honneur et puissance te reviennent à toi. À toi seul, nous avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous disons Amen. Amen. Nous disons Amen. Et nous acclamons les Seigneurs, les Seigneurs. Acclamons les Seigneurs, les Seigneurs. Acclamons les rois, les rois. Acclamons les Seigneurs, les Seigneurs. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Est-ce qu'il sert béni? Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il sert béni? Alléluia. Alléluia. Tu n'arriveras pas debout. Acclamons le Seigneur. Aujourd'hui, il y a tellement de gens qui disent « Dieu nous a abandonnés.
Dieu nous a oubliés. Tellement nous passons des moments difficiles, nous disons carrément, Dieu nous a abandonnés. Carrément, nous disons, Dieu nous a délaissés. Dieu nous a rejetés très loin. Mais Dieu, il est là présent. Il n'abandonne jamais. Il est l'omniscient. Il est l'omnipotent. Il est l'omniprésent. Quelle que soit la durée de l'histoire, Dieu ne t'a pas abandonné. Amen. Dieu n'abandonne jamais personne. Nous sommes ses créatures. Il suffit seulement d'accepter que tu sois les potiers. L'argile. Je m'excuse. Tu sois l'argile. Lui, il est le potier. Oh, alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, depuis la création, Dieu n'a pas abandonné. Depuis toute la création que Dieu a créée, il n'a pas abandonné. Jamais. Dieu ne peut te rejeter. Vous savez, aujourd'hui, moi, je peux te rejeter. Je peux te calomnier, t'insulter. Mais Dieu, il ne peut jamais t'abandonner. Cherche-le bien aujourd'hui que Dieu ne t'a pas abandonné. Il ne t'a même pas oublié. Pas même un seul instant. Tu es avec Dieu. Tu marches avec Dieu. Dieu te connaît. Dieu te garde. Dieu te préserve. Parce qu'il ne t'a pas abandonné. Quelle que soit la durée de l'histoire, finalement Dieu sera au rendez-vous parce qu'il est constamment au rendez-vous. Devant toi, devant ta famille, devant tes enfants, devant tes projets. Dieu ne t'a pas abandonné. Il est là pour toi. Il ne t'a pas abandonné. Il ne t'a même pas oublié. Il ne t'a pas délaissé. Pas même un seul instant. Il est avec toi. Quand tu marches, il est avec toi. Tu respires, il est avec toi. Tu dors, il est avec toi. Constamment, Dieu sera avec toi. Parce qu'il ne t'abandonne jamais. Dieu ne peut pas t'abandonner. Ésaïe. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre d'Ésaïe au chapitre 49. Après directement Ézéchiel. Verset 14 à 15. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. Est-ce que tout le monde a sa Bible là-bas, s'il vous plaît? Oh, le Lord. Allons-y, mon frère. Ésaïe 49, 14 et 15. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. Amen. Sion disait, l'Éternel m'abandonne, le Seigneur m'oublie. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi je ne t'oublierai point. Amen. Ézéchiel 37, 11. Ézéchiel 37, 11, je lis au nom de Jésus. Amen. Il me dit, fils de l'homme, ces os, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos os sont desséchés. Notre espérance est détruite. Nous sommes perdus. Amen. Amen. Père. C'est ta parole. Que je disparaisse, que toi tu apparaisses, Seigneur. Car ceux qui vous croient qu'au commencement était la parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Et toutes ces choses étaient faites par elle. Et en elle était la vie. La vie était la lumière des hommes. Seigneur, libère ta parole. Libère ton onction, Seigneur. Que ta gloire règne en ce lieu. Que ta présence règne en ce lieu. Et nous renversons les raisonnements, toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Nous sommes tous captifs par la parole du Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Et nous asseoir. Qu'est-ce qu'il a été dit? Ésaïe. Alléluia. Ésaïe 49, 14, 15 nous dit ceci. Sion disait, L'Éternel m'abandonne. Le Seigneur m'oublie. Une femme oublie-t-elle l'enfant?
son enfant. Qu'elle allaite. Qu'elle allaite. N'a-t-elle pas pitié du fruit? N'a-t-elle pas pitié le fruit de leurs entrailles? Quand-elle oublierait? Moi, je ne t'oublierai pas. Moi, Dieu fait allusion à une femme. Une femme qui vient d'accoucher. Une femme qui a un bébé. La façon dans laquelle cette femme donne à cet enfant-là. Donc quand l'enfant commence à pleurer, la femme viendra donner à l'aider l'enfant. Donc cette femme ne peut jamais oublier son fils, ni son enfant. Il ne peut pas oublier. Pendant que l'enfant est malade, la femme, elle est à côté de l'enfant. Si ça ne va pas, elle est constamment à côté de son enfant. Ça veut dire que cette femme-là n'oublie jamais son fils, n'oublie jamais son enfant. Combien plus fort tes raisons, l'Éternel, le Créateur du ciel et de la terre, celui qui t'a créé, qui t'a appelé par ton nom, comment il peut t'oublier? Parce qu'aujourd'hui, tu marches dans l'oubliette pour dire Dieu m'a oublié, Dieu m'a délaissé. Il dit ceci, une femme qui allait de sa fille, est-ce que pourra-t-il l'oublier? Comment plus fort tes raisons, moi Dieu, je t'ai créé. Comment peut-on t'oublier? Je ne peux pas t'oublier, je suis avec toi. Je vais dire à une personne ce matin, Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Il ne t'a pas abandonné. C'est les gens qui vont t'abandonner, mais Dieu, il dit, moi, je ne t'abandonnerai jamais. Je serai avec toi. Dans les problèmes, je serai avec toi. Dans tes chutes, je suis avec toi. Dans tes échecs, je suis avec toi. Dans tes réussites, je suis avec toi. Amen. Dans tes problèmes, je suis avec toi. Dans tes douleurs, souffrances, je serai avec toi. Amen. La femme peut t'abandonner. Tes enfants peuvent te rejeter. Mais l'Éternel Dieu, il t'accueillera. Parce qu'il te connaît. Il t'a créé, tu es la créature de Dieu. Si on dit que Dieu nous a oubliés, Ézéchiel dit, c'est la maison d'Israël que nous sommes. Et nous disons ceci, Dieu nous a abandonnés. Moi, dans mon mariage, ça ne va pas, Dieu m'a abandonné. Mes enfants, ça ne va pas, Dieu nous a abandonnés. Ma vie spirituelle, elle est détruite. Mes études, il y a des échecs répétitifs. Et nous commençons à pleurer. Et Dieu dit ceci, et Ézéchiel dit aux enfants d'Israël, tu vois, ces eaux que vous voyez, c'est la maison d'Israël, que vous êtes spirituellement. Alléluia. Et vous disiez ceci, non Dieu, il m'a abandonné, Dieu nous a délaissés. Nous souffrons, nous sommes malmenés par les douleurs, malmenés par la souffrance. Où est-il Dieu? Où est-il passé notre Dieu? Il dit ceci, il est là, il ne peut pas t'oublier. Au moment de ta détresse, invoque-toi l'Éternel. Il est présent pour te délivrer. Quelles que soient les circonstances de ta vie, Dieu est là pour toi. Amen. Ce matin, je prophétise, Dieu est là pour toi. Amen. 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 Tu feras la différence. Amen. Tu feras la différence et tu feras la différence. Amen. Parce qu'il est Dieu. Amen. Quand ils disent quelque chose, les choses s'accomplissent. Amen. Tu verras Dieu, tu entendras parler de toi. Parce que c'est un Dieu véritable. Amen. Quand il promet, il réalise. C'est un Dieu de multisystème. Et son pays, Hosanna. Il n'a pas changé ce Dieu-là. Il a été dans les temps anciens. Il a agi. Et aujourd'hui, il nous dit, nous sommes Sion. Et nous pleurons. Parfois, tu n'as pas parlé en lui. Tu pleures. Tu dis, Seigneur m'a oublié. Et les gens qui disent, Dieu, tu les as oubliés. Prenons Ésaïe 46. Rapidement, on dit, Ésaïe 46, à partir verset 3. Ésaïe 46. Cette réversion est venue maintenant. Ésaïe 46, verset 3. Qu'est-ce qu'il est écrit? Écoutez-moi, maison. Écoutez-moi, maison d'Israël. Là, tu vas mettre ton nom. On reprend. Là, tu mets ton nom. Tu vas crier ton nom. Écoutez-moi, papa Willy. Écoutez-moi, Elliot. Réponds ces versets. Citez ton nom, c'est biblique. C'est spirituel. Vas-y. Écoutez-moi. Et vous tous, restez de la maison d'Israël. Et vous tous, restez de la maison d'Israël que nous sommes spirituellement. Amen. Vous que j'ai pris à ma charge. Vous que Dieu t'a pris à sa charge. Amen. Votre origine.
origine et de votre origine que j'ai porté.